Bonjour, bienvenue dans... Ah ça y est, j'allais dire bienvenue dans cette session de Pokémon Emerald 8 qui n'apparaît pas, mais si, ça y est, il y est. Donc, il me semble que la dernière fois j'avais fait... L'avant-dernière fois j'avais eu le cinquième badge, et la dernière fois j'avais fait un peu le tour de la région que j'avais déjà explorée, mais en allant sur les chenaux. Ouais, donc j'ai fait ça, quoi. Voilà. Et je suis prêt désormais à partir à l'aventure et plutôt à continuer le jeu, hein, tel qu'il est prévu, en atteignant, je l'espère, Symitronel. Et sur le chemin, je combattrai Flora, mais on s'en fout un peu parce que Flora est le pire rival en termes de en termes de puissance en tant que dresseur, pas forcément en termes de personnalité ou le personnage en lui-même, mais je veux dire leur team. Voilà. Et plus spécifiquement, Flora et Brice dans Ruby Saphir Emerald. Rosa, ça va encore. Au moins dans Rosa, ils font évoluer leur starter, quoi. C'est principal. Donc, oh, est toujours en première position. Oui, c'était le nom de mon reptincelle. Parce que... Ben, c'est le seul membre de mon équipe, je pense, qui doit encore évoluer. Donc, j'ai envie que ça arrive au plus vite. Et comme ça, j'aurai un Dracaufeu. Et je pourrais lui apprendre vol. Parce que j'ai... C'est pour ça que je me suis tapé un Salamèche pour... Enfin... J'ai décidé de prendre un Salamèche dans mon équipe. C'est c'est parce que je voulais avoir un Pokémon qui puisse apprendre vol. Et ici, si vous avez joué seulement à Rosa, vous serez peut-être étonné de savoir qu'on ne va pas se téléporter sur sur l'île du Sud pour aller attraper Latios et Latias. C'est un truc qu'ils ont rajouté dans Rosa, ça. Et bon voilà, je suis sûr qu'il y a plein de vieux de la vieille qui sont en... ils sont attrapés, la tienne, sont en plein milieu du jeu, c'est trop pété, etc. Et dans un sens, oui, c'est pété, mais j'ai l'impression que si vous avez besoin de Latios ou Latias pour progresser dans le jeu, c'est que vous allez probablement apprécier le fait d'avoir Latios ou Latias. Et si vous n'avez pas besoin de Latios ou Latias... Oh, il apprend lance-flamme par level up. Mais c'est magnifique, dégage, surchauffe. Magnifique, moi qui pensais que j'allais devoir me taper enfin, la CT. Non, même pas. Mais c'est parfait tout ça. D'ailleurs, combien j'ai d'argent? 78 000, je pense que c'est suffisant pour aller acheter la CT Psycho au casino. Pour ça, il me faut une boîte jetons et tout ça. Ça va être un peu chiant, donc pour l'instant, quand j'atteindrai Symitrenel, je le considérerai. Ouais, je vérifiais qu'il tenait bien la pièce rune, parce que c'est ça. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai que j'étais assez étonné la première fois que j'ai joué à Rosa et que que tout à coup j'étais sur une île et que je pouvais attraper Latias. Hein, ouais. Oui, c'est Latias qu'on attrape dans Saphir et Latias dans Ruby, oui. Mais en même temps, considérant que c'est que dans les versions originales c'est un Pokémon fuyant et que donc c'est leur moyen de l'intégrer à l'histoire et de ne pas le rendre fuyant. Si, j'accepte, parce que les Pokémon fuyants c'est une horrible mécanique. Ça n'aurait jamais dû exister. C'est le truc qui est cool par principe, mais la plupart du temps c'est juste chiant à mourir et que ça aurait dû disparaître depuis longtemps. Voilà. C'est comme les CS, sauf que les CS sont restés plus longtemps. Um...
C'est marrant d'ailleurs parce que donc les fuyants ont commencé en 2G, puis il y en a dans toutes les versions de la 3G, dans toutes les versions de la 4G. Platine d'ailleurs, c'est ma version préférée, mais c'est la pire version niveau fuyant. Il y en a 5, c'est nul. C'est probablement un des plus gros défauts de Platine à mes yeux. Genre une des choses que j'aime vraiment le moins avec Platine, c'est le fait qu'il y ait 5 fuyants. Non, je m'en fous de Min Look. Enfin, ouais. En fait, ce qui fait que je veux pas forcément tout de suite acheter Psycho, c'est parce que si j'ai bien compté, c'est 70 000 Pokédollars. Il me restera que 10 000, c'est pas beaucoup. C'est... Voilà, c'est un peu. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est bien. Aroma, ça veut dire que je vais pouvoir, genre, faire lance-flamme et m'en sortir très vite. Bonjour. Au revoir. Ah, je pensais que j'avais regardé le Mousset en plus de Reptincelle et... Oh, 493 points d'ex. Arceus nous regarde. Mais... Non, c'est une très très bonne chose. Ouais, parce que la CT Psycho, elle est disponible dans le jeu, mais elle est sur la route Victoire. Ça fait un peu beaucoup. Enfin, un peu loin. Pour avoir un bon stab-ci sur l'Hippodou, quoi. Et j'ai un Ectoplasma, donc ce serait sympa d'avoir Psycho sur lui aussi. Enfin, sur elle aussi. Sur lui. J'ai oublié. Sur lui. Oui, non, c'est... C'est Sisyaiox et Farampe. Ouais. Et Lipoutou, les femelles là. En fait, je vais pas récupérer CB parce qu'elles servent à rien. Voilà. Par contre, je peux. Je peux lui dire des trucs. Ah, qu'est-ce que. Je sais que j'avais mis. Oui, oui, des la la la. Yeah, yeah. La la la, voilà. Waouh, une B Willia, génial. Wait, Asper c'est Willia, hein. Ouais, c'est Willia. Ça ne sert à rien parce que le gel. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin, si, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est la B qui va servir le moins, quoi. Le gel, c'est tellement, tellement rare que... Généralement, si je me fais geler et que c'est problématique, je suis dans un combat assez loin dans le jeu pour déjà avoir des total soins, quoi. Et ne pas avoir besoin de Bewilia, mais... Bon. Hein, ça va pas se plaindre. Oh, Roukoups contre Reptincelle. Le combat. Non, en fait, on s'en fout. Bon, il y a tous les ornithologues par ici. Et une CT qu'il me faudra aussi, c'est Giga Sensu, même si c'est particulièrement nul dans cette génération, mais soit. Bonjour Lily Moon. Bienvenue dans ce stream où il va finir par avoir un Dracaufeu. Et où je brûle l'entièreté de la population de la route des routes 118 et 119. C'est ainsi va la vie. Bon, ce qui est un peu chiant avec la route 119, c'est qu'elle est longue, qu'il y a plein de dresseurs et qu'il n'y a pas vraiment de points pour se soigner avant le. Je regarde où ils viennent de passer un monde parfait, mais c'est magnifique. Voilà, enfin ils mettent de la bonne chanson. Dans N'oubliez pas des paroles. Pourquoi j'ai plein de bon, j'ai plein de trucs comme ça dans mon sac. Le pieu du ciel, un beau sourire, du bout de l'air, un crocodile, une vache du soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles.
Bref. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. C'est pas grave. En tout cas, d'ailleurs, puisqu'on en est des chansons des années 2000, si j'ai bien regardé, le 17 septembre de cette année, la chanson de Laurie a 20 ans aura 20 ans. Et voilà. Et comme c'est une chanson que j'aime bien utiliser pour fêter les 20 ans de quelque chose, ce sera le a 20 ans Inception. Ce sera magnifique. Même si, évidemment, ce n'est pas la meilleure chanson de Laurie. Il y en a d'autres. Allez, plus que un niveau avant l'évolution. Et le temps passe vite. Eh ouais! Je pense que j'avais deux CD de Laurie. J'avais Je serai ta meilleure amie et Je vais rester toute seule. Je sais pas si le titre exact de la chanson, si c'est toute seule ou je vais rester seule. Mais bref. Moi je veux rester toute seule. Sur les rues innocentes, ils sont que des brigands. Enfin bref, voilà. Pendant que je suis en train de complètement brûler les antonomaniacs. Ton mood actuel. Ah ouais, bah voilà. Mais c'est bien la solitude parfois. Non, enfin, la solitude. La solitude, non, parce que. Enfin, le mot a un concept péjoratif, déjà solitude. C'est le fait de ne pas. D'être tout seul et de ne pas le. Le fait que ça plombe, mais je veux dire. Le fait d'être seul, c'est. C'est pas forcément mauvais. Mais il y a des gens pour qui c'est impossible de vouloir rester seul. Tu ne peux pas préférer être seul qu'être avec des gens. Comment est-ce possible? Mais ces personnes-là ont probablement la chance de ne jamais se retrouver avec des gens qui n'ont pas envie de fréquenter, quoi. Et voilà. Cela dit, Laurie, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, hein, parce que dans un sens, elle voulait rester toute seule, mais après, elle avait besoin d'amour. Les deux sont peu compatibles. C'est possible, je pense, mais ça reste plus pratique de soit décider l'un, soit décider l'autre, quoi. Yo, bonjour Jerry. Un karaoké Laurie, ce serait insane. Ouais, ouais, mais en vrai, je connais pas assez bien les chansons de Laurie. Oh, plus assez bien les chansons de Laurie. Genre, à part la meilleure chanson de Laurie, qui est Je serai ta meilleure amie, entre parenthèses, ta meilleure amie. Ça, je la connais presque. Je vais pas les dire par cœur parce que ce serait peut-être trop m'avancer. Mais je la connais encore bien, le reste, je connais les titres, quoi. C'est. Il y a celle-là, je voudrais. Il y a Toute seule, il y a J'ai besoin d'amour, il y a. Sur un air latino. Sur un air latino. Une rime avec tempo. Bref. Et Weekend, elle est bien aussi. Mais alors, ce qui est bien avec Laurie, c'est que tu peux pas faire un blind test en utilisant les vidéos YouTube.
Parce que Laurie, elle adore gueuler le titre de sa chanson avant même que la chanson commence. Donc ça fait un peu foirer les blind tests. Et après, évidemment, on a la période Laurie un peu plus tard dans les années 2000 où c'est « Je vais vite, mais je traîne quand je vois que tu tombes. » Voilà, cette partie-là, on s'en fout. Ah là là, je me souviens quand la tectonique faisait apparemment rage. Apparemment, parce que j'en savais pas. J'en entendais parler, mais voilà. Et je me souviens que mon cousin, il avait montré quelques pas de danse de tectonique. Genre l'arc à flèche et le gel à cheveux. C'était magnifique. Ce qui est encore plus magnifique, c'est le fait que j'aurai bientôt un drac au feu. Malheureusement, il n'aura pas bout de feu parce que ça n'existe pas. La tectonique. Mais la tectonique des plaques, c'est un sujet scientifique très important. De quoi tu pensais qu'on parlait? Au revoir, Chapignon. Tu as été la dernière victime de ce reptincelle qui va devenir enfin... un des starters les plus aimés de l'existence. Drac au feu. Les plus aimés de l'existence, mais pas par moi. Enfin, je veux dire, Drac au feu me dérange pas trop. Hein. Ça va encore. Disons qu'il est pas dégueu en in-game. Donc ça va, quoi. Je peux m'en sortir. S'il faut vraiment un Pokémon que j'aime pas. Comparé à Typhlosion, par exemple. Genre, j'aime pas Typhlosion non plus. Mais en in-game, alors il est pas mauvais, hein, parce que le seul starter qui est mauvais en in-game, genre, mauvais complètement, c'est Meganium. Mais il est vachement moins utile, quoi. Un sac de nœuds! Tangela Merkel! Au revoir, Tangela Merkel. Et maintenant, il faut trouver un Pokémon, faire un jeu de mots avec Olaf Schulz, c'est moins marrant. Ouais, c'est Dragon Feu! D'ailleurs, Draco Feu, il est pas de type dragon, Reptincelle est pas de type électrique, donc voilà. Julien Bardakoff est un menteur. Des gens vont finir par croire que je déteste vraiment Julien Bardakoff alors que c'est pas le cas. Mais bon, c'est lui qui a donné les noms aux Pokémon, donc... Ouais, moi quand j'étais plus jeune, j'avais ma théorie de que le type dragon, il avait été introduit beaucoup plus tard dans le jeu parce que Dracaufeu était appelé Dracaufeu et que donc le traducteur... Bah, il savait pas encore que le type dragon allait être introduit quand il a nommé Dracaufeu. Ce qui est complètement con, parce qu'évidemment, genre, quand Julien Bardakoff a dû faire la traduction et la localisation de Pokémon Rouge et Bleu, le jeu était sorti depuis 3 ans au Japon. Mais je n'en savais rien à l'époque et voilà, j'étais très fier de ma théorie. Et by the way, Chrysacier n'est pas de type acier non plus, mais bon, ça on peut le pardonner, le type acier n'existait pas. Et je vais éviter de combattre la team Aqua avec un Drac au feu. C'est jamais. Hein. Pendant que le texte a plein de couleurs, c'est beau. C'est... Oh. Non mais on parlait de la tectonique. Imaginez quelqu'un qui danse la tectonique sur cette musique. Ça marche bien, non? En vrai, j'en ai aucune idée. Est-ce que... Ouais, non. J'allais dire, est-ce que je vais me faire prendre des dégâts de peau dure, mais non. C'est pas parce que trancher herbe physique, c'est de contact.
Mais bon, comme le split physique social est introduit, c'est un peu bizarre. Allô? Ah, allô? Ah ben voilà. Voilà, on parle des musiques des années 2000, ben... C'est une Uma Numa Ney, voilà. Impossible de ne pas y penser à chaque fois qu'on voit mon équipe. Yeah, j'ai mis mon Pokémon de combat et... Pile à ce moment-là. C'est pas grave, retour. Boum! Magnifique. La tectonique sur du Ilona, ce serait pas mal, n'empêche. Genre, si tu veux aller jusqu'au bout du ridicule. Pourquoi pas. C'est marrant, je parlais de bonne histoire dans le thème de discussion du jour aujourd'hui, et je joue à Pokémon Emerald. Qui a l'opposé complet d'une bonne histoire. Ok, c'est peut-être un peu méchant, mais pas tellement. Bam bam badam bam badam bam badam bam. Je continue à dire que Soleil et Lune a la meilleure histoire de la série. Hein. Plus que Noir et Blanc. Voilà. Hot takes! Ici, attention, on n'accepte que les hot takes. Oui, c'est ça, c'est un scénar fonction, oui. Oui, c'est ça, il fait son taf, bien sûr. Je rigole parce que l'histoire est genre vraiment pas terrible quand tu commences à réfléchir 2 minutes, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment qui est un réel défaut du jeu, qui va rendre l'expérience moins bonne, quoi, je pense. Hein. Pas exagéré non plus, mais si il te foutait 40 cinématiques par seconde avec plein de textes que tu pouvais pas passer. Là, ce serait plus énervant, parce que là, l'histoire a plus d'impact. Et si plus l'histoire a d'impact, si elle est mauvaise, c'est le problème. Mais la première cinématique de Pokémon est dans Emerald, hein. Avec une musique qui est assez géniale quand même. L'intro est... Oui, c'est vrai que si on parle de... Si on considère l'intro, alors c'est vrai que techniquement, déjà Rouge et Bleu avait une cinématique, c'est vrai. J'avais en tête une cinématique in-game, mais oui, tu as raison. On peut pas enlever ça à Rosa, au moins ils ont essayé de faire une histoire. Hein. Après, est-ce qu'ils ont réussi ou pas, ça c'est... C'est... à l'appréciation de chacun, mais... Je veux dire, si on parle vraiment de juste l'histoire, je préfère jouer à Rosa qu'à Ruby Sapphire Emerald. Hein. Surtout pour l'épisode Delta, parce que je continue à penser que l'épisode Delta est une... Est vraiment une plaque tournante, un point charnière dans l'évolution de la franchise. C'est le lien entre c'est le lien d'histoire entre la 6G et la 7G. Oh non! Alors, je suis contre
Un admin à quoi? Attention. C'est Sarah. Waouh. Quelle équipe horrible. Voilà. Ah oui, ah oui, ils vont aller au Mont Memoria maintenant. On s'en fout du Mont Memoria. Non, non, je ne veux... Non. Non, mais je... Non, je ne veux pas. J'ai dit... J'ai dit non. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est cheveux mauves en Overworld, cheveux roux en combat. Oui, la correspondance entre les sprites dans l'Overworld et les sprites en combat, c'était pas vraiment quelque chose qui les intéressait à l'époque, je pense. Bon, allez, allons combattre le pire rival de la série. En termes d'équipe et en termes de puissance in-game, pas en termes de personnalité, je le répète à chaque fois. Même si là, encore une fois, Flora dans Rosa est 25 fois plus intéressante que Flora dans Ruby Sapphire Emerald. Tu. Allez, c'est parti. Et là, si ça se trouve, elle va avoir 8 Pokémon et le créateur du hack va faire... Are you sure about that? Non. Oh non, un Nimagma. Oh non, un Lombre. En fait, je peux rester, je peux spammer casse-briques, c'est bon. Là. Je me demande si à Max et Arthur vont avoir des teams différents. Parce que Max au premier combat ne l'avait pas, mais c'est le premier combat. Donc. Et je suis. Genre, je serais quand même assez étonné que le combat contre Max et Kelvin au centre spatial, qui est un combat duo avec Pierre Rochard, ne soit pas à 8 contre 8. Ce serait trop beau. Team Flora. Ouais. En tout cas, entre Flora et Brice, c'est mieux Flora, parce que Brice, c'est un salaud. Hein. Brice, il s'y croit vraiment. Hein. Tu le bats 3 fois, il a toujours 3 Pokémon dans son équipe, dont un Limagma, mais il pense qu'il est le meilleur. Hein. Yeah, vol, mais je dois avoir le badge de félicité. Félicité. Symétronelle avant, oui. Genre. Le badge de félicité, bien sûr. Peut-être que quand ils feront... Diamant étincelant et perle scintillante, et ils ajouteront une arène à féliciter. C'est pas marrant, hein. Ils ont fait des remakes de la 4G, donc on peut plus faire de blagues en disant quand ils feront un remake de la 4G. Oh là là. Mais oui, vol. Je ne m'enfuis pas, je vole. Ah oui, c'est 70 de puissance, c'est nul. Bon, c'est quand même mieux que Cruel, mais merde. En deux tours, c'est énervant. Ça fait tellement bizarre d'avoir la 3G avec un split physique spécial, mais quand même la puissance des attaques de la 3G. C'est très étrange. Voilà, c'était lui, je suis presque sûr qu'il a un ninjask. Voilà. Bon, bref. Ninja Boy.
Waouh, ton ninjask était super rapide, Ninja Boy. Et surtout très rapide pour tomber KO. Et voici les Bégrenats, si jamais vous avez envie de complètement casser le jeu en 25, la Bégrenat est la clé. Parce que la Bégrenat, elle augmente le bonheur, mais elle baisse les EV en PV. Et sauf que comme elle baisse les EV en PV, elles peuvent baisser les PV max, et que si vous le faites avec dans des bonnes conditions, avec un Pokémon qui à qui il ne reste qu'un PV, et que en utilisant la Bégrenat, le nombre de PV max descend de 1, le nombre de PV tout court va descendre de 1, et vous aurez un Pokémon KO dans votre équipe. Sauf que si c'est le seul Pokémon de votre équipe, vous pouvez vous balader avec aucun Pokémon capable de combattre dans votre équipe. Et à partir de là, le jeu est complètement cassé, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En gros... C'était probablement un résumé très 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 élémentaire, mais en gros c'est ça. Eh bien, c'est cool. C'est cool parce que je vais pouvoir aller chercher le devon scope, parce que oui, évidemment, on ne peut pas rentrer directement dans l'arène de Symmetrenais, c'est trop beau. Non, parce que Munja ça marchera pas. Il a qu'un PV, il a qu'un PV total. Donc son PV max peut pas descendre. Tu peux pas descendre à 0. Donc non, justement Munja ça marchera pas. Et il faut un Pokémon avec une grosse bastat en PV pour que retirer 10 EV en PV soit assez pour que ça fasse un point en tout quoi. Roselia, est-ce que j'ai le bon Pokémon? J'ai le bon Pokémon pour Roselia. Boum! Laser Glace. Alors, j'ai un Pokémon avec Laser Glace et un Pokémon avec Tonnerre dans mon équipe. Donc je vous avoue que je suis pas spécialement un clé. Je suis pas spécialement un clé pour l'arène de Symmetronel. Mais bon, on ne sait jamais. On pourra avoir des surprises hein, avec l'équipe complète d'Alizé. Et c'est là que j'aurais aimé comprendre que connaître plus que deux chansons d'Alizé pour pouvoir faire une blague. Mais je connais juste Lolita et je sais même pas si c'est J'en ai marre qu'elle s'appelle la chanson que Coldplay a plagié. J'en ai marre de ma nana, nanana, 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 nanana. Bref. J'adore le fait de perdre 2 secondes à chaque fois que j'envoie ce Pokémon juste parce que son cri dure tellement longtemps. Et alors là, attention, Pierre Rochard va vous montrer l'ampleur de ses qualités de dresseur. Bonjour. Voilà. Oui, ready for battle. Montre-moi, genre, tes capacités en tant que dresseur. Voici un Kecléon. Waouh, c'est un Kecléon. Niveau 30. Voilà. Quel combat passionnant. C'est... ton style de combat est intrigant. Waouh, qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres Pokémon cachés, genre 25 000 sur cette route, par exemple. Je dis ça tout à fait au hasard. Dégage, Cléon.
tu. Je pense que j'ai jamais utilisé un kick Léon. C'est probablement parce que c'est mauvais, mais ça ne m'a pas arrêté à parler. J'ai utilisé un Léopardus, donc ça va, tout peut arriver. Un maril sauvage après, waouh! Faudrait peut-être que je m'achète des repousses parce que là j'en ai plus que 3. C'est pas grave. Quand j'aurai plein d'argent. Et je pourrais m'acheter autant de repousses que je veux. Mais d'abord, une petite excursion à un des endroits les plus insignifiants de l'univers, mais qui a son propre nom, la Grotte Zénith, aka Scorch Slab, qui a juste la... C'était Zénith. Donc même en français, ils se sont même pas trop ennuyés à faire un chouette nom pour la grotte. Ils se sont dit, c'est la grotte où il y a Zénith, on va l'appeler la Grotte Zénith. Voilà. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de Pokémon, il n'y a pas d'objet caché, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais dans Rosa, il y a Heatran. Dans Rosa, ils se sont dit, tiens, c'est vrai, on avait fait ça. Si on en faisait quelque chose. Et ce Kecléon-là, par contre, on ne combat pas. Au revoir, Kecléon. Voilà. Kecléon, il a dit, oh, c'est nul. Je vais traverser les murs. Voilà. S'il voulait être caché, déjà, il ne serait pas mis en plein milieu du chemin. Et je suis sûr et certain que ce Kecléon a été payé par Pierre Rochard. Que nous cache-t-il ? Qu'est-ce qu'il va faire au site Météor? Tout au fond de sa pièce reculée. Quel secret cache-t-il? On s'en fout. Voilà la réponse. Ah, cette arène, quand j'étais petit, je la détestais. Il a fui car il était jaloux du chapeau sapin. À sa place, je serais jaloux aussi du chapeau sapin. Mais malheureusement, il est perdu à jamais. Le chapeau sapin. Voilà, par exemple, ça c'est un des seuls Pokémon vol qui n'est pas fait type glace dans cette arène. Et évidemment, c'est le premier qui arrive. Waouh, tu fais hâte. Enfin, je dis toi, waouh, tu fais hâte, mais en fait, là, il me outspeed. Et s'il fait une attaque acier, c'est super efficace. Sauf qu'il va pas faire une attaque acier, il va faire furie. Et contrairement à celle de Bowser, n'est pas très impressionnante. Niveau 39. Il est toujours en avance. C'est un peu moins, mais il est toujours en avance. Oui, je vais, bien sûr. Et si j'apprenais surf en moins bien? Genre 85 de précision, c'est n'importe quoi. C'est surf en moins bien, non, il n'y a pas question. Umberto. J'ai battu Umberto. Et évidemment, faut bien éviter les combats duo. Je pense qu'il y a un combat duo qui est pas, qu'on ne peut pas éviter dans cette arène, dans Emerald, mais je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Enfin, je le verrai bien, hein, de toute façon. J'ai pas assez de PP de laser glace, j'ai pas envie de tous les utiliser. Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Laisse-toi dans la confusion. Génial. C'est pas grave. C'est ça que je voulais faire, en fait. C'est choc mental, mais c'est pas grave. Laisse-toi dans ta confusion. Non, arrête de faire furie. He's fast asleep. Vous savez quoi? Je vais vous prouver que c'est en effet fast asleep. Voilà, il suffisait que j'utilise le speed up pour qu'elle se réveille directement. Évidemment. Ouais, niveau 38. Je l'ai même pas encore utilisé aujourd'hui, je pense. Et en plus, je le mets KO d'un coup avec un choc mental. Magnifique. Oh, coup critique. Oh, à chaque fois que je fais une arène, je me rappelle que la musique des champions n'est pas la même et qu'elle a été changée et qu'elle est nulle. Et à chaque fois, ça me rend triste parce qu'on n'entend pas la musique des champions d'arène alors qu'elle est cool. Ta 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 ta
Ah. C'est marrant parce que je retiens la musique des champions d'arène de ON parce qu'il y a un passage qui est à peu près pareil que la musique de Dianthea dans XY et je retiens plus la musique de Dianthea dans XY. Et d'ailleurs, c'était le lundi que ON confirmed, comme ils disaient tous à l'époque. Ouh, un Skarmory. Même un super Skarmory. C'était un youtubeur super Skarmory quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit. Oui, bah, quand il y a 10 ans, quoi. Il faisait des walkthroughs. Et sur un de mes premiers MP3, enfin MP4 plutôt, sur lequel je pouvais mettre des vidéos, j'avais genre les trois premiers épisodes de son walkthrough Super Mario 3D Land, je pense. Donc c'était déjà en 2011. Et je suis presque sûr que c'était avant que j'aie le jeu, donc c'était avant juillet 2012. Donc c'était, oui, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. J'ai battu Jared. Il va jouer au loto. Jared loto. Ok, d'accord, c'était nul. On ne peut pas avoir l'inspiration tous les jours. Hein. Eh oui, et on dirait bien que c'est. J'ai eu un MP4, ouais. Ouais, dessus j'avais. En plus, j'avais de la musique, mais j'ai jamais vraiment eu beaucoup de culture musicale ou. De musique que j'aimais beaucoup beaucoup, donc j'avais quoi, peut-être une dizaine, quinzaine de chansons, et j'avais aussi des YouTube poops, des vidéos YouTube que j'aimais bien en format MP3. Genre le journal de 20 tonnes de cocaïne qui était une YouTube poop du journal de 20 heures de TF1 présenté par Harry Roselmack. Commence par Nicolas Sarkozy et con de ce genre de truc quoi. Et j'avais aussi les chroniques de Valonwood. Quand soudain du diams, pom 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 pom, mais j'ai vite rebouché. Hein. Et sur mon, mais avant ça j'avais eu un MP3, mais ça c'était encore avant. Et c'était un, j'appelais ça un MP3, mais je sais pas si c'était vraiment un MP3. Mais il y avait aussi un petit écran et il y avait moyen de jouer à Tetris dessus. Je me souviens que je jouais à Tetris, mais je pense pas que je pouvais regarder des vidéos dessus. Mais je me souviens de deux chansons que j'avais sur ce MP3, et je ne sais plus pourquoi je les avais, mais j'avais Fan de Pascal Obispo et Tourner ma page de Jennifer. Je n'emporte rien, vraiment. Je déteste Becky Pan qui spam abri. Bref. De tout ce que j'ai perdu, je suis égère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. Voilà. Et si vous ne saviez pas, Pascal Obispo, la chanson qui s'appelle Fan, il l'a écrite en hommage à Michel Polnareff, parce que c'est un fan de Michel Polnareff, si j'ai bien compris. Hein. Ce qui me fait toujours penser au sketch de Garnier et Santoux, On ne demande qu'à rire, où leur thème c'était Je suis le père du fils de Michel Polnareff, parce que Michel Polnareff a eu un enfant, mais c'est pas son enfant biologique. Et du coup, ouais, Garnier et Santoux avaient fait le sketch où Santoux il disait Mais si je suis le père du fils de Michel Polnareff, je suis Michel Polnareff, et voilà. Enfin, ouais, je ne l'explique pas bien, mais c'était bien, c'était marrant. Ça aussi, ça a plus de 10 ans, demande qu'à en rire. Tropius, aka Bananfly. Ça aussi, ça c'est un vieux. Ça aussi c'est un vieux surnom, mais ça c'est pas de moi, Bananfly. Merde, je me suis raté. Yup. Yup. Ouais. Attends.
Non, voilà, comme ça. Voilà. Magnifique. Et puis je vais aller me soigner, donc en fait c'est pas grave. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Ok, d'accord, d'accord. On parle pas du moment où Pikachu était ton Pokémon préféré, ok, d'accord. Parle pas. Chut. Attention, regardez-moi ce speedrun arène de Symmetronel. Boum, boum. 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 Voilà. Tu m'as entendu. Non, mais oui, c'est normal, bien sûr. Il faut que mon micro soit mis sur le stream. C'est pour ça que tu m'entends. Je ne vois pas pourquoi tu le mentionnes tout à coup. Voilà. On va combattre Alizée, ok? Comme dirait Julien Doré, moi je m'appelle Lolita. L-O-L-I-T-A. Cette musique est toujours moins bonne que l'original. Et premier laser glace. Ouais, niveau 38. Oh, Charizard. Toi aussi tu as un dragon feu? Je suis pas d'accord. Tu as un drac au feu niveau 33. C'est pas possible. Je te traîne en justice face à la Cour pénale internationale. Oh. Altaria, ce foutu Altaria qui était le premier tueur de le tueur de mon premier Nuzlocke que j'ai raté. Le premier Nuzlocke que j'ai raté, c'était mon quatrième Nuzlocke en tout, et c'était un randomizer sur Ruby. Comme quoi je ne respectais pas mes propres règles à l'époque, parce que c'était la première fois que je faisais un randomizer. Et c'était la première fois que je faisais un Nuzlocke sur 3G. Et je me suis fait défoncer par l'Altaria de Alizée parce que j'avais pas grind. Et que l'Altaria de Alizée a Danse Draco et Séisme. Le plus énervant, c'est que l'Altaria de Alizée est niveau 33 et que Tilton évolue niveau 35. Mais voilà. Mais du coup, ça fait que je me souviens quand même assez bien de cette équipe-là, parce que ça m'a marqué. J'avais Pharamp, j'avais Florizarre, j'avais Solarok, Marest, Migalos et Melofé. Voilà. Et oui, pas encore Melodelph, Melofé. Je sais pas ce que j'attendais pour la faire évoluer, mais je l'ai pas fait évoluer. Et si j'avais eu un Melodelph, peut-être que j'aurais pu tanker le truc, mais... Alors c'est marrant parce qu'au final, je pense que Alizée, dans Emerald Vanilla, elle a déjà 5 Pokémon, donc... Il n'y en a que 3 de plus ici, c'est pas si étonnant. Ah, Nostanfer est un de ces nouveaux Pokémon. Mais je sais aussi qu'il y a un Pokémon qu'elle a dans Ruby Saphir qu'elle n'a pas dans Emeraude. Je sais plus lequel. Je sais plus si. Genre, c'est Armure Béquipant ou elle est d'elle. Je sais plus lequel des trois. Yeah, niveau 40. C'est bien le multi-ex en même.
Bon, Noir Fang, elle a définitivement pas de Noir Fang dans le monde. Oh non, détection, génial, ouais, c'est quoi, est-ce que ton modèle dans la vie c'est Becky Pan? Noir Fang, pire oiseau, voilà, je l'ai dit. C'est pas vrai, le pire oiseau c'est des flaisans, mais bon. C'est le deuxième pire oiseau. Et voilà le badge plume. Et je peux utiliser vol. Yes, je peux utiliser vol hors combat. Et j'ai aéropic, mais on s'en fout. Et j'ai son numéro de téléphone, mais on s'en fout encore plus. Ce dont on ne se fout pas, c'est que je sauvegarde. Mais pourquoi tu me hais? Quelle violence verbale! Je n'apprécie pas. Noir Fang plus stylé. Et bon, après, c'est vrai que la compétition est pas très. Ne met pas la barre très haut, hein, mais. Mais dans aucun monde, Noir Fang est plus stylé que Touraptor, désolé! Soyons francs. Appuyez sur 1 dans le chat si vous êtes d'accord, mais voilà. Il faut dire les choses. Waouh, une protéine. Moi, quand je vois une protéine, je ne dis pas waouh, 10 EV en attaque, je me dis waouh, 4900 Pokédollars. Votre manque de foi me concerne. Mmh. Tout à fait. J'ai pas foi en Noir Fang. Noir Fang, c'est un Pokémon qui vient de la 2G. Donc, si ça vient de la 2G, il faut que ça. Je n'ai pas confiance de base. Il faut que ça fasse ses preuves. Pharamp, Scizaiox sont des bons exemples. Nostanfer, évidemment. Genre, je pense que j'ai utilisé 140 Nostanfer au cours de ma vie. Donc voilà, mais. Ah, donc je vois qu'on se lie contre moi, en fait. C'est genre, on vient dans mon chat pour dire des choses comme ça. Il est très stylé, Touraptor. Meilleur oiseau et tout raptor. En bref. Oui, non, c'est juste que. Voilà, vol va être au-dessus. Quel oiseau serait plus stylé qu'Etouraptor? J'attends la réponse parce que quoi qu'il arrive, elle sera incorrecte. Et ne sortez pas elle et d'elle, s'il vous plaît. Hein. Et... Roucarnage. Le nom de Roucarnage est plus stylé que le design de Roucarnage. C'est ça le problème avec Roucarnage. Panapin, Panama, il me faut une lettre port. Bon, on est d'accord que Déflaisan c'est le pire. Au moins, on peut se mettre d'accord sur ça. Nous formons une connexion dans la haine. On dirait un kéké avec du gel dans les cheveux, mais oui, mais c'est ça la définition. C'était ça la définition de classe dans les stylés dans les années 2000, non?
Et tout raptor, c'est le c'est l'oiseau qui danse la tectonique. Sauf que Etouraptor, c'est aussi celui qui te balance un close combat dans la tronche, et donc pour ça, c'est genre, c'est, en vrai, on s'en fout du style, hein, Etouraptor est le meilleur, Etouraptor est le meilleur oiseau parce qu'il apprend close combat, fin de l'histoire, c'est... Je parie que faire, platine en solo, solo Etouraptor est presque plus, plus rapide que de le faire en solo Pangolion. C'est marrant parce que là, si j'avais un vélo alors qu'elle est dans la ville du type qui donne des vélos gratuitement, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que Corvaeus, je n'ai pas, forcément, je n'ai pas la Ouija en tête, mais. Enfin, je préfère, honnêtement, je préfère 20 fois Bazookan au Carnage, hein, voilà, c'est. Faut dire ce qui est. Je pense que je préfère Rapace de Pique au Carnage. Mais bon, je vais pas vous dire que Rapace de Pique est stylé, faut pas exagérer non plus. Et si j'ai besoin de pièces, mais je veux voir combien c'est les, la CT29. 3500, ok, donc 70 000 Pokédollars, let's go. Et bientôt, il y aura, enfin bientôt, entre guillemets, on pourra peut-être parler de l'oiseau de la 9e génération. T'en rendez compte, la 9G arrive. Même pour quelqu'un qui ne joue plus aux générations aux générations récentes, ça fait très étrange de se dire. Rapace de pique mieux que Kourou Carnage, sérieux? Oui. Pour une simple et bonne raison, Piafabek évolue au niveau 20 et Roucoups évolue au niveau 36. Donc Piafabek est juste. Si c'est pour avoir un oiseau bof dans ton équipe, autant avoir celui que, qui évolue. Enfin, que tu peux avoir dès le niveau 20, quoi. Et un autre truc, Rapace de pique apprend Beigvry. Et c'est plus utile hein, que enfin c'est plus rapide que vol parce que c'est en un seul tour. Et bon, j'ai pas besoin d'attaque spectre pour le moment tant que j'ai pas ballon, donc voilà. Et oui, et voilà. Et... Donc je préfère Rapace de pique à choisir, ouais. Roucarnage en plus en 1G. En 1G, je pense qu'il n'y a pas photo. Rapace de pique est meilleur sur à peu près tous les points que Roucarnage. Bon, bien sûr, c'est en 1G. Hein, c'est, voilà. mais voilà. Et voilà! Ça commence à être une belle équipe avec un beau moveset. Bon, j'ai toujours charge. D'ailleurs, j'ai toujours charge, c'est complètement con. Je devrais lui mettre retour, tant qu'à faire. Je vais le mettre à Lagron aussi, parce que patience, franchement, on s'en fout. Allez, il manque que séisme, quoi. Voilà. Ah là là, les CT infinis, c'est tellement plus agréable. Quelle idée à la con de retirer les CT infinis dans les remakes de Diamant et Perle. Ce qui est encore plus con, c'est de s'énerver pour un jeu auquel on va pas jouer, mais quand même. Quelle idée à la con. Bref. Au moins, ils ont pris la très bonne décision de faire en sorte qu'elle soit toute accessible de manière illimitée, parce qu'il manquerait plus que ça, mais soit.
Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait ce que je voulais en gros. Inutile de commencer à partir vers le mont Memoria et Ninu Creek maintenant. Je vais donc m'en aller. Ah, mais j'avais oublié que j'avais oublié un truc, mais je pense que c'est que Lunuki il avait dit qu'il fallait que j'attrape Barpo dans cette partie. Mais je ne sais pas s'il s'en souvient, donc tant qu'il s'en souvient pas. Mais sur ce, ça va être la fin de ce stream. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas que Etoraptor est le meilleur oiseau. Et sur ce, on se quitte sur une random thing. Sauvegarde en cours. Ne touche pas à la carte mémoire.